12e place. Alors maintenant, c'est un moment particulièrement important à la barre fixe parce que lorsqu'on voit apparaître ce gymnaste musculeux et trapu, c'est Andreas Wecker, l'un des as des lâchers de barre. Il avait déjà réalisé, il y a déjà 5 ans de cela, aux Internationaux de France à Bercy, un récital, notamment avec un Kovacs. Et Kovacs qui est doublé à l'époque, qui l'enchaînait, peut-être va-t-il le tenter de nouveau ici, avec quelques années de plus. En tout cas, c'est l'étonnant champion du monde en titre. C'est un régal, mais c'est aussi impressionnant. Attention, premier lâché. Voilà, il se place en soleil. Il va accélérer son tour et c'est maintenant que ça se passe. Oh, voilà, il fait le deuxième tour, même tendu, vous voyez, sur ce double salto. Il recommence de grouper, ouverture oui. Très tôt pour reprendre la barre. Bon, ça c'est un véritablement un artiste de la barre fixe avec un catch-off enchaîné maintenant et une préparation pour sa sortie. Bah, tout de suite, un tour dorsal obligatoire. Tour dorsal. Le code de pointage l'impose. Et maintenant, demi-tour. On va voir une nouvelle accélération et une sortie qui sera ici en double arrière tendu avec une vrille. Eh bien là, on va se faire un plaisir, c'est-à-dire que le ralenti va nous disséquer ces deux Kovacs qui ont été d'une très très grande amplitude. Et oui, la caractéristique essentielle, c'est que très tôt il ouvre et le deuxième salto est quasiment corps tendu. Pour son reprendre. Bras droit rattrape la barre plus vite que le bras gauche. Vous avez noté, hein? Eh oui. Il fait toujours ça. Petit défaut. Enfin, petit défaut. Ce n'est pas un défaut, c'est une du moment qu'il ne spécificité. Tombe pas. Une originalité personnelle. Vous voyez, on revoit prise d'élan. Montée des genoux, salto arrière, ouverture, salto tendu. Nouvel angle. Pour la même figure. Dans le ciel de Bercy, un Andreas Wecker toujours aussi spectaculaire à la barre fixe avec 9650. Eh bien,